Qui peut nous résumer la pièce? Alors, moi et François B, c'est l'histoire d'un kidnapping. Attends, tu peux te décoller un peu, là, tu souffles dans mon oreille, merci. C'est l'histoire d'un auteur qui a écrit une pièce, qui veut la faire lire à François Berléand, sauf que François Berléand l'a jamais reçue. Mais pas du tout. Ben si. Mais c'est pas qu'il l'a jamais reçu, c'est qu'il l'a jamais lu. Enfin, François Berléand doit jouer Don Juan, et là il découvre Vincent, et il le fouille, et il trouve un compas géant. Parce que, enfin, il est prisonnier. Et à ce moment-là, sa femme arrive, parce qu'elle s'est fait aspirer, sauf qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est en nuisette. Et c'est à ce moment-là que... Qu'est-ce que tu racontes? Mais même moi qui connais la pièce, je comprends rien à ce que tu dis. Bah vas-y, toi, au lieu de critiquer. C'est l'histoire d'un auteur qui kidnappe François Berléand pour qu'il lise sa pièce. Voilà, pour qu'il lise sa pièce. En fait, ça pose la question de l'auteur. Voilà, enfin, c'est une comédie. Oui, c'est une comédie. Ça pose la question d'humour. Bref, François Berléand est enfermé dans une pièce sans porte ni fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Ça pose la question des fenêtres. Quelle fenêtre? La fenêtre de l'âme, la fenêtre de l'esprit. Au fond, qu'est-ce qu'une fenêtre? Bon, bah, venez voir, moi et François B, c'est une pièce sur les fenêtres. Voilà, allez, hop. Tu pars sur toi. Oh, ça va, hein? Sinon, la pièce est vachement bien.